Car c'est que si tu sais que c'est ça, il y a pas de... c'est quand tu montes en Israël, le temps que tu fasses ça et que tu fais, mais c'est quand tu sais que c'est là que tu dois être, c'est fini le reste après. Après c'est technique, c'est pas, il vaut mieux que tu sois à ta place et que ça soit que tu souffres de l'adaptation plutôt que tu sois pas à ta place bien adapté dans un endroit qui est pas à ta place, tu vois. Parce que à quoi ça sert? C'est pas l'adaptation qui compte. Ce qui compte c'est que tu sois à ta place. Ben non, après avec le temps tu vas trouver. Mais le Icar, c'est que tu pries. C'est pour ça que tous les jours, il faut que tu... Quand tu te réveilles tous les jours, tu demandes à Hachem que tu te remets entre ses mains pour cette journée, que sa journée, que ta journée, elle soit selon la volonté d'Hachem. Et que tu ne veux faire que la volonté d'Hachem. Du moment où tu annonces ça déjà, avant que la journée, elle commence. Et on a l'habitude de faire le soir aussi, puisque le début d'un jour chez nous, c'est-à-dire ça commence la nuit. Donc on fait en début de soirée et on refait le matin aussi quand on se réveille. Du moment maintenant où je me positionne, c'est-à-dire je dis voilà, moi Hachem, je veux faire ta volonté. Donc déjà j'annonce que ce que je veux c'est combler la Shrina, c'est-à-dire agrandir la résidence de la Shrina dans le monde et je reconnais que je suis là pour ça. Donc après ça y est, tu t'es remis entre les mains d'Hachem. Après ça va te venir, petit à petit, on va t'envoyer les éléments pour que tu sois à ta place. C'est sûr qu'on ne va pas te changer de place d'un coup. On ne va pas te changer de place d'un coup.